Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne de Gravity pour un nouvel épisode de Deadlight. Ouais. Alors souvenez-vous, on vient de quitter le stade de Seattle, et là on se dirige vers l'hôpital pour soigner une méchante entaille, enfin chose qu'on aurait normalement pu trouver dans cette ambulance, hein, mais non. Donc il va nous falloir des pansements pour son hémorragie. Une brochure sur la nouvelle grippe. Non mais sérieux quoi. Hop, bon. On a réussi à rentrer, c'est déjà pas mal. Que va-t-on trouver? Une page perdue de mon journal. Non mais sérieux, son journal, il l'a mis où là? Non. Qu'est-ce qu'il me propose d'ouvrir alors? Ah d'accord, peut-être ça. Pour pouvoir monter à l'étage, chose que j'essaie de faire en fait depuis 30 secondes. Oui, je suis un peu neuneux, mais c'est pas ma faute. Hein. C'est vraiment... voilà. Ok. Toi t'es mort. Ah c'est chiant que, enfin, que, toi, que nous on puisse aller que... Enfin, jouer que sur un plan et que les zombies ne jouent pas sur le même. Ils jouent pas le jeu en fait. C'est un peu dégueu je trouve. Bon, on a réutilisé une balle donc on peut la recharger. On peut pas aller plus loin. D'accord. Ma foi, c'est pas trop grave. It seems that someone left a message on a recording machine. Voilà, lui il est mort. Oh, je me suis rétame tout seul sur une chaise. C'est triste. The pharmacy is on the other side of the elevators. Tombons ensemble. J'essaie de descendre genre en m'accrochant mais en fait je crois qu'il a pas voulu. Bah du moins ce qui est bien c'est que je réapparais, je suis déjà en bas. Donc ça m'évite de savoir et de vous montrer comment faire et ainsi de mourir une dizaine de fois supplémentaires comme à l'accoutumée. Sortez de ma tête. Papa! Tu veux bien jouer avec moi papa? Bon, saleté pédophile. Ouais, moi aussi, ça me fait penser de penser à elle. Souffrir, excuse-moi. Santé maximum augmentée. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux, mon coquin. Ouais, seulement ça me dit pas... où c'est que je peux aller? Où que c'est que je peux aller? D'accord. Ah oui, sur l'échelle, je suis con. S'il vous plaît, non, pas de commentaire. Non. Ok. Voilà. Tout simplement. Ici. Et normalement là. C'est bon. Eh. La classe, hein. Moi je suis un bonhomme, les gars, je suis un bonhomme. Plus sérieusement, cette échelle, elle monte au troisième étage. Ce qui pourrait faire une assez belle chute, hein, vous en conviendrez. Mais non, j'ai pas envie de recommencer, donc je vais pas mourir. J'espère qu'on s'est bien compris. Ok. Visiblement, les développeurs n'ont pas de sens de l'humour. Dès que je leur demande de me laisser en vie... Oh putain, je fais n'importe quoi encore. On va faire un truc plus simple. Casse-toi. Voilà. Ça. Oh, merde. Ça, c'est fait. Bon. Maintenant, peut-être pouvoir tirer ça. Je m'en doutais. Chose qui n'était pas envisageable quand les zombies, ils étaient pas morts. Ah bon, ça, vous l'aviez compris. Hmm.
Super. Je vois qu'on se comprend. Ah bah c'est cool, j'ai récupéré les munitions que je viens d'utiliser. Bon, toi avec ta radio, on s'en fout. Tu me saoules. Petit. Petit, petit, petit. Putain, ils sont 400 000 en bas et moi je suis tout seul là comme un connard avec un fusil et un gun. Ah non, excusez-moi. Et mon lance-pierre. Ouais, non. Vous m'avez vu. Vous me direz. Ouais, vas-y, vas-y, ferme, ferme. Ouais, j'aime. Je vais pouvoir me soigner, enfin. C'est une des rares fois où je ne suis pas mort entre-temps. Enfin, si, je suis mort entre-temps, mais bon, vous m'avez compris. Pourquoi encore? Il me semble que c'est la première fois que j'en trouve. Ah oui, non, j'ai failli le casser. Désolé. Vous savez, entre toutes ces barricades, j'ai un peu de mal, des fois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais encore? Excusez-le, il est un petit peu à la ramasse. Ouais, saute, oui. Ouais, c'est le genre, hein. Petit, petit, petit. Je vais vous faire la peau. Une coupure de magazine, science, on s'en fout. Sauter. Ouais. Je crois que j'en ai pris un sur mes genoux. Et voilà. Ouais. La classe quand même. Pas une seule balle d'utiliser. Et tout serait dû à néant. Moi, je suis diabolique. Ou pas. Petit zombie. Venez à moi. Saute. Ouais, vas-y, viens me chercher. I can't leave without the medical supplies. I need to go back. Ah donc là c'est la sortie, d'accord. Bah peut-être que c'est en dessous. L'endroit que je voulais pas aller visiter parce que bah j'avais pas envie. Des antibiotiques et de quoi recoudre, ça me semble. Ouais, ça me semblait faisable aussi. Pourquoi je... Non, ah non, il y a aucun zombie qui m'attend à l'extérieur. Ça me... Ouais, bizarre. Vous avez des bizarres? Donc... Ouais, non, c'est bon. On peut se casser. Et, normalement, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Non, t'es mort. Hein. Reste mort. Ouais. J'aime bien quand les morts restent morts, des fois. Encore la petite identité d'une inconnue, excusez-moi. Tirer dessus, non, ok. Je pensais qu'on pouvait tirer sur la chose, mais visiblement ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut descendre, mais il n'y a pas d'utilité puisqu'on était arrivé au troisième étage tout à l'heure, enfin il me semble, enfin ouais, je suis quasiment sûr. Donc on va pouvoir sauter, monter, ne pas descendre, surtout pas descendre, ça ferait une grosse chute. Bon, bah, il faut descendre quand même. La montre d'un médecin qui a épousé l'immortalité, elle s'est arrêtée juste après minuit, à minuit 02 exactement. Mais c'est super intéressant, dites-moi. Je sais pas, il devait se faire chier. Ok, il y a des zombies sont en train de me courser, encore, comme d'habitude. Mais casse-toi. Bordel.
possible tout ça? Oui, va-t'en vite. Si t'avais 40 zombies au cul, ça semble légèrement compliqué. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Ah, quel petit pervers. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy, and I'm sad, Randy. I miss my wife. Ouais, I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there. At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben! Ben! Wake up! Mais quel enculé. Il aurait au moins pu prévenir, quoi, qu'on n'aille pas à l'hôpital pour rien. Je pense que c'est un rêve, pas forcément prémonitoire, mais vu les ombres derrière, pour utiliser le terme. Moi non plus, j'aime pas vraiment ça. I don't want to go inside. Oui. En même temps, il avance. Hein. Shannon. Bon, c'est moi qui fais avancer, mais No. This isn't how it happened. You weren't here. Under pressure. Cimetière militaire, Fort Lauton. Ouais, ça a l'air de plus en plus douloureux, mec, t'as raison. Cimetière militaire, oui, en effet, ça a l'air d'être un gros cimetière militaire. L'écusson des bérets verts, du coup, vent de Ben. Oui, bon, je pense que Ben était déjà mort avant l'accident. Hop. Pour l'instant, ce qui est classe, c'est que il n'y a pas de zombies. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas durer. Il y a de la mitrailleuse lourde, il y a tout ce qu'on veut. Toi, tu vas prendre un coup de hache. Je t'ai pris un coup de hache. T'es par terre, donc t'es mort. Et toi, j'ai pas vu ce que tu me donnais. Ah, des munitions. Ah, désolé, j'ai plus l'habitude. Ok, bon, de toute façon, je pense que l'échelle aurait pas tenu. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il donne des munitions. Vite, non. Il a pas voulu courir en arrière, il a peut-être pas pu. Eh bien. Ouais, c'est bien ça. Ça déjà, c'est fait. On va ouvrir. Recharger, il me restait plus qu'une balle, hein, c'était chaud. Ouais, il me rend toutes mes balles. Il était équipé, ce militaire. Il était parti à la chasse, lui. Bon, malheureusement, il ne savait pas tirer.
Oh, toi, je vais te faire la hache. Pourquoi se prendre la tête? Voilà, coupé en deux. D'accord, saute. Ouais. Hop. Saute. Je sais pas pourquoi j'entends des zombies derrière la porte. Là je vais passer en mode chevrotine. Mais non, en fait non. D'ailleurs écoutez, vous savez quoi? Je vais vous quitter ici. On se retrouve pour un prochain épisode. A très bientôt.